Alors, les invités que je vais recevoir en plateau, venez me rejoindre, bien sûr. Vous êtes les bienvenus. On va pouvoir débattre sur la question « Comment le collectif lève les freins ?» Alors, j'ai le plaisir d'accueillir donc différents ingénieurs qui vont nous montrer un peu les cas d'école auxquels ils ont dû faire face. Et tout d'abord, Isabelle Cadillou. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous êtes ingénieur réseau en horticulture et conseillère technique en horticulture à la Chambre régionale d'agriculture d'Île-de-France. Juste à vos côtés, Cécile Gaumetou qui est venue avec un wagon entier d'objets, mais on aura l'occasion d'en reparler après. Ingénieure réseau en grande culture, polyculture, élevage et animatrice technique du réseau des CIVAM Normands. Bonjour. Merci et bienvenue ici. Karine Barrière, bonjour. Bonjour. Karine, vous êtes ingénieure réseau framboise et responsable d'équipe fruits et légumes à la Chambre départementale d'agriculture de Corrèze et très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Alors, on va s'intéresser à cette question de comment le collectif aujourd'hui arrive à lever des freins. Et peut-être, Isabelle, je vais démarrer par vous. On est vraiment dans le cas d'école. Quelle était la problématique, supposons dans le cas que vous avez choisi, que vous deviez, qui était présente sur le plan technique pour les agriculteurs? Déjà, mon groupe, c'est un groupe d'horticulteurs, de pépiniéristes et de fleurs coupées. Donc, on regroupe trois filières. Donc, c'était déjà un premier point. D'autre part, les entreprises, elles sont réparties sur l'ensemble de l'Île-de-France. Donc, chaque entreprise est distante en moyenne, on va dire, d'une heure de route les unes des autres. Donc, il y a assez peu de voisinage. Et puis, c'est des plantes d'ornement. Donc, l'acheteur, il achète la plante d'ornement pour son esthétique. Donc, changer de pratique, oui, mais sans jamais venir perturber la qualité du produit final. Donc, c'était ça, nos missions. Et après, dans le changement des pratiques, les producteurs étaient conscients dans le groupe, en tout cas les producteurs étaient conscients qu'il fallait absolument changer de méthode, puisque en horticulture, on a assez peu de produits homologués, on a des cas de résistance, et puis on sait très bien aussi que les produits phytosanitaires, les producteurs avaient conscience que les produits phytosanitaires génèrent des risques pour l'environnement et aussi pour la santé humaine. Et dans les entreprises horticoles, il y a des personnels. Il peut y avoir aussi des clients, donc des particuliers qui viennent acheter pour les entreprises qui font de la vente détail. Donc tout ça nous a incité à aller chercher des nouvelles méthodes. Et puis le groupe, au fil des rencontres, s'est orienté sur l'intérêt de la biodiversité fonctionnelle. Et c'est comme ça qu'on a développé ça sur plusieurs années. Bon, comment vous avez levé les freins ? Les freins, c'est s'intégrer complètement dans le groupe. C'est aussi à travers les bilans de campagne qui sont faits tous les ans, et puis les différentes réunions qui sont faites, et c'est par le questionnement. Alors du coup, c'est dans les réunions avoir une écoute active, être bienveillant aussi pour permettre à chacun de s'exprimer sur ses difficultés propres. Et puis les rencontres individuelles, elles permettent aussi de mieux comprendre ce qui peut freiner les uns les autres, et de remettre ça après, représenter tout ça lors des réunions collectives. Et donc c'est des moments qui sont privilégiés, ces échanges-là, parce qu'en adoptant quelques règles comme ça, les échanges sont très vite très riches, et du coup émerge l'intérêt de l'écoute active, c'est justement de bien écouter tout ça, et de comprendre ce qui va émerger, ce qui va faire le point central, et lever les freins progressivement chez les uns et chez les autres, chacun à leur rythme. Et s'il faut garder peut-être qu'un seul enseignement, si on prend un peu de recul, on se dit, voilà, le facteur clé, c'était quoi ? Le facteur clé, c'est d'être formé, puisqu'effectivement, la biodiversité fonctionnelle, c'était plutôt une connaissance bibliographique, on va dire. Après, l'avoir adapté sur le terrain, mon groupe a fait une auto-évaluation, je dirais, en se disant, effectivement, on comprend bien que c'est intéressant, on comprend bien que c'est peut-être ça notre voie. Seulement, ils se sont jugés, auto-jugés, en disant, nous, on n'est pas assez capable d'identifier les différents auxiliaires aux différents stades, etc. Et on a besoin d'être formés, d'être un petit peu accompagnés là-dessus. Donc, ça a été d'aller chercher une expertise à l'extérieur pour monter en compétences. Et du coup, le groupe entier a monté en compétences ainsi. Donc, c'est se former, aller chercher des compétences par ailleurs. Et puis après, l'ingénieur réseau a aussi besoin que les professionnels mettent en place des choses pour alimenter, parce qu'effectivement, on apporte des choses, mais il faut que les producteurs testent, observent, en disant, ça marche pas, voilà le problème que j'ai eu, et ainsi de suite, les freins sont levés, et puis le groupe avance, et du coup, d'avancer collectivement, ça lève les freins beaucoup plus vite aussi, grâce aux échanges. Il y avait une hétérogénéité dans le groupe. Oui, puisque du coup, on était trois filières,
Mais comme chacun avait sa façon de faire et son travail particulier, les pépiniéristes travaillent plus à l'extérieur, donc ils nous ont beaucoup apporté sur ce qu'on peut mettre en place à l'extérieur. Et les horticulteurs avaient déjà une approche peut-être plus sur sous-abri, et puis ils travaillaient déjà un petit peu en PBI, donc ils savaient ce que c'était de les chercher des auxiliaires minuscules au milieu d'une végétation. Et vous auriez pu vous dire, on sépare, on ne fait pas un groupe avec une hétérogénéité aussi forte. Au final, c'était une richesse ? Ça a été une richesse, cette hétérogénéité-là. Après, c'est aussi le symbole de notre mode de fonctionnement. On apprécie la biodiversité, donc on aime les échanges, on aime avoir de la diversité aussi dans le groupe, et aussi de la diversité dans les journées qui ont été organisées, avec par exemple une journée avec un entomologue, avec du coup une formation sur les auxiliaires indigènes, avec des visites de stations d'expérimentation d'Astrédor par exemple. Et c'est tout ça qui a permis que chacun trouve sa place et s'intéresse à cette façon de faire. Isabelle, vous êtes venue avec une fourchette, mais vous savez qu'on a déjà déjeuné, c'est fini, c'est trop tard. C'est ça. Pourquoi ? La fourchette, c'était pour illustrer mon changement de pratique, en tout cas, personnel. C'est-à-dire qu'avant, quand je rentrais dans une exploitation, je cherchais effectivement les dégâts de ravageurs, des choses comme ça. Et maintenant, je cherche le gîte et le couvert pour les auxiliaires. C'est-à-dire que quand je rentre dans une entreprise, je regarde si, effectivement, qu'est-ce qui a été mis en place par les producteurs pour la biodiversité fonctionnelle. Est-ce que les auxiliaires vont trouver de quoi s'héberger, se nourrir, des plantes de service, etc. Voilà. Ouais, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que maintenant, vous regardez plus sur le côté que directement au centre de la pépinière. C'est ça. Je recherche la biodiversité fonctionnelle et plus seulement les ravageurs. Donc ça montre bien l'évolution, effectivement, du métier. Vous restez avec nous parce qu'après, on aura l'occasion d'échanger. Cécile, vous, quelle était la problématique technique sur votre groupe qu'il fallait lever ? Donc, dans le cadre de l'accompagnement des filles, j'accompagne un groupe qui est en polyculture élevage. Donc, c'est 10 agriculteurs qui ont et des vaches et des cultures, donc, du coup. Et là, il se posait la question d'un des agriculteurs qui souhaitait diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires dans son système. Et donc, il n'avait pas forcément les compétences techniques et il avait besoin du groupe pour résoudre cette problématique, enfin pour l'aider à parler de ça. Et donc, voilà, j'ai organisé une journée de groupe chez lui avec un atelier de co-construction pour ça. Quels freins et surtout, comment vous avez levé ces freins ? Alors, du coup, la problématique dans les journées de groupe avec l'atelier de co-construction, c'est vraiment de réussir à organiser les échanges et de rendre les choses visuelles. Parce que donc, un système, enfin, là, on travaille à l'échelle du système de culture. Un système de culture, ça comprend toutes les cultures qui passent dans la rotation. Et donc, quand les agriculteurs prennent la parole pour dire comment eux font, etc., c'est un petit peu compliqué de coordonner tout ça. C'est pas du tout visuel. Et surtout, pour nous, animateurs réseau, c'est très, très compliqué aussi de prendre en note et à la fois d'animer les réunions. Donc là, le levier, pardon, ça a été d'utiliser la mallette Ecophyto, notamment. Donc en fait, c'est une mallette qui est très, très visible, visuelle. Donc il y a ce petit plateau, enfin là, je ne l'ai pas déplié, mais c'est un plateau qu'on utilise sur lequel on va disposer les différentes cartes, comme par exemple les cartes culture ici, etc. Et ça permet... Tenez-les un petit peu plus longtemps, comme ça on va les montrer, tout en parlant, et pas dans l'axe du micro, c'est parfait. Voilà, d'un côté ou de l'autre, voilà, très bien. Mais continuez à parler en même temps, c'est comme les groupes, il faut faire plein de choses à la fois. Et donc, du coup, l'intérêt en fait de ces petites cartes, c'est que c'est très visuel et les agriculteurs peuvent aussi se les approprier eux-mêmes. Donc là, par exemple, l'animation, ce n'est pas moi qui vais organiser la parole, c'est vraiment chaque agriculteur va prendre les cartes et donc va s'approprier le changement de système. Et donc, c'est ça l'intérêt finalement, c'est que c'est vraiment dans la co-construction. Chaque agriculteur est acteur de ce changement de système. L'autre intérêt, ça va être aussi, du coup, forcément pour la prise de notes. Enfin, là, il y a le plateau qui est là, c'est très visuel. Nous, on n'a pas besoin de prendre la prise de notes, on est là sur l'animation de l'échange. Et la dernière chose, c'est aussi l'aspect technique, parce que parfois, on arrive sur des changements de système où les agriculteurs n'ont pas forcément les compétences. Et là, l'intérêt de ces cartes-là, c'est que toutes les cartes, donc je vais montrer d'autres cartes cette fois, présentent un petit peu, par exemple, ici, donc c'est sur les adventices qui sont présentes dans les champs. Il y a aussi des cartes sur les maladies, par exemple ici sur la rouille. Voilà. Et il y a aussi des cartes qui présentent les leviers techniques. Donc en fait, en ayant toutes les descriptions très précises de tous ces éléments, les agriculteurs vont s'enrichir eux-mêmes, ceux qui sont là pour aider
pour aider l'agriculteur, et ça va aussi donc enrichir l'agriculteur qui est là. Ça présente, il y a plein de compétences techniques dedans, et donc si jamais il y a besoin, il y a ça en support pour alimenter les échanges. Cécile, je suis agriculteur. On me dit, je viens dans une réunion pro, je vois que je finis avec un jeu de plateau, j'y crois pas. Dans ces cas-là, en fait, ce que nous on fait pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation, c'est que, donc, comme je disais, il y a un accompagnement collectif et individuel. Donc moi, je prends un temps d'échange initial avec l'agriculteur pour vraiment identifier quels sont ses besoins à lui. Et à partir de là, vraiment, on va déterminer la problématique. Donc effectivement, je ne l'ai pas dit, mais le plus important, c'est d'avoir une problématique cible. Et suite à cette problématique, les agriculteurs, forcément, vont faire quelque chose de cohérent qui réponde aux besoins de celui qui nous accueille. Et du coup, en général, le fait aussi que pendant la réunion, on le met en retrait, on évite qu'ils prennent la parole et qu'ils disent tout de suite « Non, ça, c'est pas possible chez moi, j'ai pas la bonne charrue » ou ce genre de choses. Et bien, ça permet aux autres agriculteurs d'aller jusqu'au bout de leur raisonnement. Et ça, du coup, l'agriculteur qui reçoit les conseils du groupe, en général, adhère et accepte mieux l'idée. Et puis souvent, il y a un temps d'échange aussi à la fin qui permet aussi à l'agriculteur qui est aidé de poser ses questions et d'avoir plus d'informations dessus. Donc, souvent, voilà. Donc c'est un double outil, c'est à la fois un outil de pédagogie parce qu'il y a des choses à apprendre pour compléter les connaissances de l'agriculteur, et à la fois c'est un outil d'animation qui permet de temporiser, de gérer l'animation. Exactement, oui, c'est vraiment un outil comme je disais, qui permet la co-construction. Donc là, c'est l'effet brainstorming entre agriculteurs. Les agriculteurs qui sont ici lors de la réunion vont apprendre des techniques des uns des autres. C'est vraiment un outil d'échange. Et puis ensuite, il y a aussi l'aspect pour nous, ça permet de se concentrer sur la partie technique aussi. Et ça fonctionne au final ? C'est-à-dire qu'à chaque réunion, ils adoptent l'outil, enfin ça se passe bien ? Dès qu'il y a un changement de système ou du moins un agriculteur qui souhaite modifier sa rotation, j'utilise la mallette Ecophyto. Et là, par exemple, dans l'agriculteur dont je vous parlais qui souhaitait diminuer son recours aux phytosanitaires, donc il est en polyculture élevage, donc on a introduit plus de rotation de prairies temporaires, pardon. On a introduit des métayes, on a limité les cultures de vente en enlevant le blé. Et donc, du coup, finalement, cette rotation, 6 mois plus tard, il s'est converti à l'agriculture biologique. Donc, je pense que c'est plutôt efficace. Bon, donc, ça marche. Et il n'y a pas un agriculteur qui a voulu en acheter une par hasard encore ? C'est plutôt un outil d'animation de groupe. Oui, j'imagine. Mais non, on n'a pas encore. J'imagine bien. Mais dans le transfert, peut-être qu'un agriculteur a envie d'en faire partager aussi à d'autres groupes ou dans d'autres cas. Merci beaucoup. Karine, on s'intéresse à votre groupe. Quelle était la problématique technique ? Alors, moi, j'ai un groupe effectivement de producteurs en framboises. Donc, les producteurs, ils sont en framboises plein sol et en framboises hors sol. La problématique, c'était à la fois de réduire les IFT sur les exploitations, en fait, sur lesquelles on avait encore un IFT assez conséquent, enfin tout est relatif, hein, et sur les exploitations en fait qui ne traitaient pas du tout. L'idée, c'était de maintenir cet IFT bas au regard des pressions sanitaires grandissantes. D'accord, en fait, on a écarté certaines problématiques sanitaires, donc on maintient en fait un IFT zéro sur certaines problématiques. Par contre, on a vraiment des ravageurs émergents. Donc, l'idée, c'était vraiment d'être vigilant sur cet aspect-là. Quand vous dites relatif, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme la pomme. Ah non, non, non. On est en dessous de 5. On est sur la framboise, on est quand même en dessous de 5, il n'y a pas de souci. Bon, voilà. Donc, on a vu la problématique. Comment, justement, vous avez levé les freins ? Alors, comment j'ai levé les freins ? Bon, j'ai vraiment essayé plein de choses. Le premier levier, en fait, que j'ai utilisé, ça a été l'accompagnement individuel pour apprendre à comprendre chaque exploitation, pour comprendre chaque système de culture, chaque objectif. Et après, le principal levier, moi, qui m'a fait avancer, c'est la communication entre les agriculteurs, les échanges qu'il y a pu y avoir. D'accord. Donc, ça veut dire que, un, il faut bosser pour être capable, c'est-à-dire qu'il faut vraiment bien connaître le cas de chaque exploitation, il y a une phase de travail préalable, et après, de favoriser les échanges au sein du groupe. Alors, oui, en fait, moi, je me suis vraiment aperçue que, du coup, la faculté de changer, elle n'est pas donnée à tout le monde. Il faut comprendre chaque système de culture pour pouvoir le transférer. Il y a des systèmes qui sont transférables sur certaines exploitations. Il y a d'autres systèmes qui ne sont pas transférables sur ces mêmes exploitations. Donc, l'idée, c'est de repérer, en fait, ce qui peut être partagé, diffusé, pour vraiment, en plus, que chaque agriculteur se sente compris, se sente écouté et trouve sa place. Mmh. Et une fois que l'agriculteur a trouvé sa place, du coup, il est plus réceptif à ce qui peut être fait autour de lui, quoi. Ça veut dire qu'il faut prendre la voiture, aller voir chaque agriculteur, comprendre les spécificités de chaque ferme. Ça veut dire qu'il faut être disponible, oui. Donc, ça veut dire, effectivement, se déplacer. Ça veut dire aussi
être disponible, être joignable. Donc, voilà. Quels enseignements vous en retirez? C'est quoi le secret, en fait, pour animer? Alors, moi, ce qui m'a vraiment aidée, donc, parce que moi, j'ai quand même un réseau depuis 2012. J'ai des agriculteurs que je connaissais depuis 2003. Donc, ce qui m'a vraiment aidée, c'est une formation que j'avais faite. Donc, ça s'appelait conduite de réunion, où finalement, on nous explique les profils des personnes présentes en réunion. Donc, on apprend à comprendre, à repérer où est le leader, où est le timide, où est le grincheux. Enfin, voilà. Et quand on a repéré toutes ces personnalités, ben, en fait, on sait les mettre à profit, on sait faire échanger. Et on arrive, ce que je disais tout à l'heure, à vraiment donner une place à chacun. Et c'est aussi le fait de comprendre que c'est intéressant d'être technicien. Moi, ça me plaît d'être technicien. C'est valorisant de savoir répondre. Mais ce qui m'a fait progresser, c'est qu'aujourd'hui, on me demande aussi d'être animatrice. Et j'ai le droit de dire, je me donne le droit du moins, de dire non, je ne sais pas. Et mon rôle, c'est d'aller chercher la réponse, de voir ce qui a été fait ailleurs et de faire partager ça et de voir si c'est justement transférable sur les exploitations. Et quand vous dites non, je ne sais pas, est-ce que le groupe le prend bien ou il se dit... Tout à fait. En fait, moi, ce que je dis, c'est mon rôle. C'est mon rôle, j'ai du temps pour ça. Je vais voir en fait ce qui peut être fait, quelles solutions peuvent être mises en place. Donc, et malheureusement, il y a des impasses techniques. Donc, on cherche encore des solutions, mais les agriculteurs, en fait, le comprennent. C'est juste nous, en fait, qui devons l'accepter. Voilà, c'est valorisant d'être technicien. Animateur, c'est peut-être moins évident au départ. Donc, voilà, quand on a compris ça, c'est intéressant. Et vous dites des fois, non, je ne sais pas? Oui. Souvent? Pas souvent non plus, pas aller dans l'excès inverse. Mais oui, c'est possible de dire non, je ne sais pas, je vais chercher, je reviendrai avec la réponse un peu plus tard. Ou si le sujet, du coup, là, on avait vraiment un gros sujet, de dire à ce moment-là, on va aller chercher une expertise ailleurs. Et là, du coup, on va tous se former, quoi. Donc, du coup, on est intégré effectivement dans le groupe. Donc, on n'a plus ce rôle d'expert ou quoi que ce soit. Mais du coup, on explique qu'on est capable d'organiser des journées à thème, de trouver les bonnes personnes, de tisser un lien entre tout le monde, etc. Et du coup, ça devient ça le rôle, oui, effectivement. Et c'est bien perçu? Oui, je pense qu'ils avaient l'air assez contents. Oui. Cécile, de même? Ah oui, moi, ça m'arrive très régulièrement de dire je ne sais pas, parce que je ne suis pas agricultrice. Et j'accompagne un groupe qui existe depuis 2011, donc qui était déjà un groupe avant que je termine mes études. Donc, pour le coup, en fait, c'est vraiment eux qui sont experts. Et moi, je ne suis pas du tout technicienne, je suis que animatrice. Et l'aspect justement, animation, c'est ça l'intérêt. C'est vraiment que nous, on dise, on ne doit même pas dire presque, je ne sais pas, c'est qu'est-ce que vous en pensez et vous faites comment. Et en fait, c'est vraiment l'échange entre pairs, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, qui permet à chacun de changer ses pratiques. Parce que c'est vrai que du coup, ça permet d'avoir sur une même zone, c'est ça aussi l'intérêt des groupes, sur une même zone géographique, l'expérience et le retour des autres. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, Karine. La forte personnalité dans le groupe, on la gère comment? Pour être gentil, le mot, vous voyez de quoi je veux parler, forte personnalité, celui qui parle fort, qui assène ses idées et qui, quelque part, risque de faire que le groupe dérive. Eh bien, en fait, moi, comment je gère ça? C'est en amont, en fait, je prépare un peu, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, je prépare effectivement mes interventions, notamment pour donner la place aux fameux timides. Parce qu'en fait, la forte personnalité, il n'est pas difficile si en fait on arrive à donner de la place aux autres. Au contraire, en fait, c'est même le leader. Si en fait on arrive à faire valider quelque chose avec lui, tout le groupe va suivre. Donc il s'agit juste, entre guillemets, de bien valider ce que lui va valider. Est-ce que c'est ce que tout le monde veut vraiment? Et s'il y a des avis divergents, comment est-ce qu'on les fait remonter? Comment est-ce qu'on les partage? Enfin, moi, c'est vraiment avec l'échange, quoi. C'est la communication. Et au final, ça passe bien. Il n'y a pas des fois où il est valide l'inverse de ce qui était prévu, etc. Ça arrive, mais des fois, ouais, on peut rattraper les balles au filet quand même. Il faut du temps, c'est tout. Il faut du savoir-faire là-dessus. Ouais, ouais. Quelques cas comme ça à dire dans les groupes, des idées, des situations dont vous vous rappelez qui étaient assez... Pas spécialement. Moi, ça s'est plutôt globalement bien passé. Après, effectivement, ça peut... nous, en tout cas, on a été obligés de faire un choix. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'ai proposé un panel de solutions en leur posant la question, en disant vers quoi vous voulez aller. Enfin, voilà, il y a ce panel-là. Certains ont pris dedans et ont mis en place des choses. Et puis, et après, il y a eu vraiment ce fil conducteur de la biodiversité fonctionnelle qui a pris. Mais moi, je suis là pour faciliter le changement, pour trouver des solutions. Et après, c'est eux qui piochent dedans.
Après, l'intérêt, c'est effectivement que chacun pioche dans ce qui est possible de faire pour chaque entreprise et qu'après, lors d'une réunion, chacun partage sur ce qu'il a mis en place, comment il l'a mis en place. Et là, du coup, c'est un échange entre pairs. Et ils ressortent avec, avec vraiment la façon de faire très pratico-pratique en disant, voilà, j'ai été installer mon perchoir à 1,50 m, j'ai pris du bois de telle sorte, telle épaisseur, j'ai fait des trous de tant de millimètres, j'ai pris de la paille de je ne sais pas où. Et ils ressortent avec pratico-pratique, comment il faut faire. Et du coup, comme chacun, il a fallu attendre deux années peut-être pour que chacun mette en place des choses. Après, avec cet échange-là, tout le monde est ressorti avec les bonnes pratiques de chacun. Donc, on démultiplie, quoi. En 3 ans, on a fait 3 années, 10 fois d'expérience. Le fait d'être une dame aujourd'hui, c'est plus un problème ? Enfin, non, pour... Non, ça n'en est pas. En fait, moi, j'ai la chance aussi d'avoir des dames dans mon groupe. C'est même vraiment très bien parce que moi, j'aime bien faire des photos, elles aussi. Donc, on peut partager les photos. Elles parlent de biodiversité. C'est quelque chose, en fait, qui plaît vraiment au départ aux dames. Et je me rends compte, en fait, qu'on arrive à faire passer ça aux hommes. Donc, non. À la rigueur, moi, je trouve même que c'est un avantage, quoi. D'accord. Donc, okay. Voilà. Partager ou pas ? Il n'y a jamais eu des situations compliquées ? Non, jamais eu de situation compliquée. Moi, j'ai un groupe qui est plutôt composé d'hommes. La personne qui avait le poste avant moi était déjà une femme. Voilà. Donc, c'est rentré dans les mains. Karine, vous êtes venue avec votre téléphone, l'objet fétiche. Oui, téléphone rose, qu'on le repère. En plus, oui. Pourquoi ? C'est mon objet fétiche parce qu'en fait, je m'en sers vraiment pour garder le lien avec les agriculteurs. Donc, en fait, je suis joignable. Donc, ce que je disais, je fais vraiment beaucoup de photos pour leur apprendre à identifier les choses. Et puis, en fait, je travaille dans la framboise, donc c'est joli la framboise. Ouais. Donc, voilà, je partage ça. Et au-delà de ça, j'ai créé un groupe WhatsApp avec les agriculteurs du réseau. En fait, et ça permet vraiment d'échanger en temps réel avec eux. Donc, moi, je trouve que c'est un outil formidable. Voilà. Donc, c'est l'outil central aujourd'hui de... Puis aujourd'hui, ils sont performants, donc on fait vraiment des belles photos. Même quand je fais des choses à la loupe binoculaire, j'arrive à faire des films, j'arrive à faire des photos. Et vous les publiez ? Donc, je partage avec mon groupe, oui. Uniquement, c'est WhatsApp l'outil ? Alors là, moi, j'utilise WhatsApp avec mon groupe. Mais après, effectivement, les photos que je prends sur le réseau, ça va dans les bulletins techniques, ça me sert à faire des fiches. Enfin, voilà, c'est... Donc ça, c'est... Et WhatsApp, c'est le bon outil ? Ça correspond bien ? C'est l'outil adapté à un petit nombre comme ça pour partager ? Vous utilisez WhatsApp, vous aussi ? Oui, il y a WhatsApp. Enfin, il y en a un autre aussi qui permet... qui du coup fait un suivi. Le WhatsApp étant un fil de discussion, on ne retrouve pas forcément l'information. Il y a d'autres outils qui permettent de retrouver par entreprise. Enfin, du coup, on l'a utilisé parce qu'on se demandait quand est-ce que la première momie de puceron avait été trouvée en début d'année. Enfin, voilà. Et du coup, avec cet outil, ça nous a permis de retrouver la date exacte de la publication. Et vous pouvez nous dire le nom de l'outil ? Ah, je peux dire le nom si la publicité n'est pas intéressée. Allez-y, de même qu'on a dit WhatsApp, le téléphone... Oui, c'est Landfile. D'accord, ok. Voilà. Mais après, il y en a d'autres aussi. Donc, D'accord, voilà. Ok. Et vous, Cécile, vous utilisez quoi pour communiquer ? Là, depuis récemment, c'est d'ailleurs à la demande des agriculteurs, en fait, d'avoir un groupe WhatsApp d'échange pour échanger directement. Les gars, vous en pensez quoi ? Sans forcément passer par l'animatrice et avoir une réponse directe. D'accord. Donc, c'est très pratique. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement descendant avec la publication de la part de l'animatrice, ça échange vraiment. Et ça ne dérive pas ? Ah, pas du tout. Ça reste quand même dans le sujet ? Ah non, ça va. C'est très professionnel derrière. Ça va très bien. Et puis, effectivement, je rejoins ce qui a été dit. L'échange, il n'est pas uniquement avec l'animatrice. Justement, moi, j'ai vraiment travaillé cette communication au niveau du groupe. Et donc, aujourd'hui, les agriculteurs, ils s'appellent entre eux, donc sans passer par moi. D'accord. Je ne suis pas le maillon incontournable de la chaîne. Est-ce qu'il y a des points à améliorer pour finir ? Qu'est-ce qu'on pourrait encore améliorer, à votre avis ? Moi, j'aimerais bien juste rebondir sur ce que vous disiez. Effectivement, le fait que les agriculteurs se connaissent entre eux, c'est vraiment fondamental pour le groupe. Et aussi le fait que, du coup, à la Chambre d'agriculture, c'est le cas aussi. Au CIVAM aussi, on fonctionne en réseau. Et du coup, l'intérêt, c'est aussi que des groupes qui sont plus dans le sud ou plus dans le nord ou qui ont différentes problématiques vont pouvoir échanger entre eux. Et ça aussi, c'est très intéressant. Donc, il y a l'échelle vraiment locale, les agriculteurs entre eux, et l'échelle un peu macro au niveau national, on échange et on améliore les pratiques. Mais ça existe, ça, aujourd'hui ? La capacité d'intercroiser comme ça entre groupes ?
Oui. Enfin, nous, en tout cas, au réseau des CIVAM normands, on fait régulièrement des visites dans les CIVAM de Pays de Loire, dans les CIVAM de Bretagne, dans les CIVAM de Mayenne, sur, par exemple, les cultures sous couvert, etc. Enfin, tous les voyages d'études, ouais, sont très réguliers. Et je pensais au niveau des réseaux sociaux, enfin, type WhatsApp ou autre, il y a des possibilités d'interfacer entre les différents groupes. Après, là, c'est plus sur les pages Facebook, mais non, WhatsApp, c'est plutôt les petits groupes. Oui, c'est quand même adapté aux petits groupes. On va prendre des questions, parce que vous savez que c'est une émission interactive, donc on vous a écouté. Laetitia, est-ce qu'il y a justement des questions qui ont été posées sur cette table ronde? Oui, Jean-Paul, des questions pour notre croisière. Donc, quels sont les freins ou les types de freins les plus difficiles à lever? Et est-ce qu'il vous est arrivé, en tant qu'ingénieur réseau, de ne pas réussir à lever certains freins? D'accord, c'est quand même ce dont on parle depuis un quart d'heure, grosso modo. Mais est-ce qu'il y en a, par contre, qu'on n'a pas réussi à lever? Les échecs, allez, allons-y, les vrais échecs, faut pas avoir honte. Des vrais échecs, non, un choix qui nous a porté sur une thématique plutôt que sur une autre, parce qu'effectivement, c'était une pratique accessible, parce que démontrée précédemment dans les stations d'expérimentation, donc on avait senti qu'il y avait quelque chose à faire, mais c'était pas passé dans les entreprises, donc c'est pour ça qu'on a choisi celle-là. Après, il y a un gros travail encore d'expérimentation pour lever d'autres freins. Je pense notamment à la biotisation des substrats pour l'horticulture. Voilà. Donc, voilà, c'est très technique. D'accord. Cécile, pardon. Donc des freins particulièrement qu'on n'arrive pas à lever, je dirais, c'est vraiment sur l'aspect humain. Parce que les agriculteurs, ceux à qui je travaille, enfin tous les autres aussi, mais sont des humains. Et du coup, c'est très compliqué. La ferme, voilà, c'est directement lié aussi aux producteurs. Et donc, s'il y a des freins qui sont purement, par exemple, des repères culturels, etc., là, par exemple, on est sur les anciennes générations qui étaient plus facilement dans les traitements, les nouvelles qui sont plus avec les enjeux actuels de diminution des phytos. Et c'est vrai qu'il y a ces freins culturels qui sont vraiment encore là, très, très présents, et parfois une pression familiale aussi, etc. Ça, c'est difficile à gérer. Mais en ayant justement un groupe soudé et voilà, des gens qui se connaissent depuis longtemps et qui travaillent ensemble, ça aide beaucoup à lever ces freins. Moi, je n'ai pas d'autres exemples particuliers de freins qui restent et qu'on n'arrive pas à lever. Enfin, y a vraiment ça, cet aspect-là, personnel et humain. Quoi, ouais, le poids de la génération précédente qui garde encore un peu les mains sur le volant, on va dire, ouais. Et qui freine l'évolution éventuellement. Bon, je ne vais pas dire qu'il freine, mais en tout cas, ça peut être un ouais, frein. Un frein, on va le dire. Le problème, c'est les vieux, vous l'avez dit. Cécile, mais au final, le groupe, justement, c'est un espace de liberté où les personnes peuvent en parler alors qu'ils peuvent peut-être pas trop en parler chez eux. Ah oui, c'est vraiment un espace de liberté où là, chacun parle ouvertement aussi de ses problèmes parce qu'il y a des groupes où quand les gens ne se connaissent pas très bien, il y a plus de difficultés aussi à parler de ses propres difficultés et se dire, bah oui, moi, cette année, le maïs, ça n'a pas été ou l'herbe, ça ne pousse pas ou ce genre de choses. C'est très difficile quand on ne connaît pas les personnes d'en parler. Là, le groupe, encore une fois, vu que c'est des personnes qui se connaissent vraiment depuis plusieurs années et où il y a vraiment l'échange entre eux qui est travaillé, on veille à ça, ça permet de parler ouvertement et librement de toutes les problématiques rencontrées. Karine, un échec? Alors, je n'ai pas d'échec en tête, mais non. Pour répondre à la question, il y a des échecs techniques. Voilà, moi, je suis confrontée en ce moment à des difficultés de gestion de pucerons sur des exploitations où avant tout allait très bien. Donc il y a vraiment en fait des échecs techniques, il y a des échecs économiques. Et après, je ne sais pas si on peut parler d'échecs dans la capacité de changer, mais il y a aussi en fait la tolérance de l'agriculteur à accepter des dégâts, des dommages et des pertes qui n'est vraiment pas la même sur... d'une exploitation à l'autre. Et donc, des fois, en fait, on voudrait essayer d'avancer plus et on n'y arrive pas parce que il y a ce... Et ça, c'est culturel. C'est un frein, en fait. C'est un peu l'aspect social, quoi. C'est culturel ou c'est les normes? Parce qu'on en a parlé ce matin. C'est-à-dire qu'il y a des fois un paradoxe avec les normes qui sont de plus en plus strictes et qui fait qu'on accepte moins de choses. Pour moi, c'est lié à la personnalité des gens, en fait. Hein. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait le timide, il y a aussi le perfectionniste. Hein. Donc, le perfectionniste, nous, on n'est pas dans l'horticulture. En fait, on ne travaille pas sur le visuel. Il n'empêche que j'ai certains agriculteurs qui s'attachent vraiment à l'image de l'exploitation. Oui, qu'ils soient sur... Voilà. Vous vouliez dire, Cécile? Oui, c'est ça. C'est qu'il y a vraiment les valeurs personnelles de la personne, les valeurs culturelles et après tout l'environnement de production aussi. Donc, c'est vraiment sur un trépied, en fait. Ce n'est pas que l'aspect culturel. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Laetitia? Oui, Jean-Paul, une autre question. Avez-vous déjà vécu une situation où un agriculteur du groupe se sent en compétition avec les autres membres du groupe? Comment avez-vous géré cette situation?
Ouais, bonne question. Compétition, ça veut dire rivalité territoriale ou le fait de faire mieux que son voisin, que du groupe? Moi, clairement, en fait, mes agriculteurs, ils sont tous concurrents, si on peut utiliser ce mot-là, puisqu'aujourd'hui, ils commercialisent eux-mêmes de façon quasiment tous indépendante leurs fruits. Donc, voilà. Et pour autant, en fait, ils partagent. Donc, voilà. Alors, je dirais que c'est quand même quelque chose qui est propre à l'agriculture, ça, de partager alors qu'on est concurrent. Mais voilà, moi, c'est mon cas. Je ne sens pas vraiment de... Et ça ne pose pas de problème, donc. Ils partagent, il n'y a pas de frein. Ça ne pose vraiment pas de... Enfin, voilà, moi, c'est... Nos problèmes. Oui, je dirais, enfin, j'abonderais dans ce sens-là. En horticulture pépinière, souvent il y a de la concurrence aussi. Et ce thème-là, non seulement il fédère tout le monde, parce que c'est un sujet transversal, du coup il est transversal, enfin en tout cas pour mon groupe, sur les trois filières, mais il permet aussi de manager les équipes, quoi. Parfois le frein il peut être aussi là, c'est-à-dire que dans les exploitations où il y a du personnel, faut que lui aussi accepte que on laisse des populations de pucerons s'installer pour avoir des auxiliaires. Mais du coup, c'est aussi une forme de management. Et du coup, ces personnes-là sont aussi formées, etc. Donc, c'est un changement de pratique, pas seulement du chef d'entreprise, mais aussi de l'exploitant. Et du coup, ça traverse toutes les frontières entre entreprises, dans l'entreprise. Voilà, c'est fédérateur plutôt. Cécile ? Concernant mon groupe, non, il n'y a aucune concurrence observée. C'est plutôt l'inverse, ils ont tendance à se serrer les coudes parce qu'ils sont une relative minorité dans le secteur. Ça reste des petites exploitations à taille humaine, en fait, de 50, 120 hectares maximum quand ils sont en GAEC, parce que voilà, c'est sur vraiment la polyculture élevage. En grande culture, ce sont des plus grandes exploitations, mais du coup, il n'y a pas du tout cet aspect-là, voire même ils travaillent ensemble, c'est-à-dire que là, il y a trois des membres des filles qui ont fait un magasin de producteurs, donc en fait, ils valorisent eux-mêmes leurs produits laitiers. Aujourd'hui, ils font des glaces, des yaourts, des fromages, et donc c'est entre autres grâce au groupe des filles, enfin, le groupe des filles n'a pas géré la formation de ce magasin de producteurs, mais en tout cas, ils ont travaillé ensemble là-dessus. Et ils sont complètement dans la coopération et l'échange. Ouais. Alors, je vais poser une question peut-être bête, mais il doit y avoir des situations où deux agriculteurs ne s'entendent pas. Ça peut dériver dans le groupe. Comment vous gérez ? Oui, il peut y avoir des différentes façons de faire. Par exemple, des systèmes qui ne sont pas du tout habitués à l'agriculture ou adaptés à l'agriculture biologique. D'autres qui s'y prêtent plus. Et donc, dans mon groupe, par exemple, il y en a qui sont en agriculture biologique, d'autres en conventionnel. Et ça peut créer des tensions, mais il y a toujours un respect parce que c'est vraiment lié au système. Ce n'est pas humain, enfin, ce n'est pas personnel, on va dire. Et non, ça, il n'y a pas de souci. Ça ne dérive pas, pareil ? Non, ça ne dérive pas. Après, c'est vrai que c'était une règle aussi qu'on s'était donnée au départ, c'est-à-dire respect mutuel et bienveillance, parce que aucune question n'est taboue. Donc, tout ça pour libérer la parole et effectivement pouvoir entendre les difficultés de chacun et les accepter, quoi. Karine ? Non. Tout va bien. Il n'y a pas de problématique partie. Donc, une autre question, peut-être ? Oui, une autre question, Jean-Paul. Les agriculteurs que vous accompagnez sont-ils encore demandeurs d'expertise technique ? Ah ben ça, oui. Ça, on l'enlèvera jamais. Hein. Donc, même s'ils ont compris en fait, qu'on ne faisait pas que de la technique, on était là pour animer, oui, ils sont vraiment demandeurs. Quoi. Ouais, il y a une vraie demande là-dessus, pareil ? Enfin, moi, oui. Oui, il y a encore fort à faire. Donc, Oui, on ne s'ennuie pas. Non. Donc, ça veut dire que vous devez toujours amener quand même au centre un bagage technique, l'évolution et tout ça. En fait, c'est vraiment la forme des apports qui a changé, mais sinon, ça reste complètement, c'est centré sur le technique quand même. Enfin, là, les échanges qu'on fait, nous, on fait que animer, mais dans les groupes, c'est 100% technique tout le temps. Ils échangent entre eux, réglage du tracteur, profondeur de semis, etc. Et puis, justement, les challenges évoluent chaque année. Avant, c'était un peu la diminution des produits, enfin, encore aujourd'hui, la diminution des produits phytosanitaires. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de, par exemple, l'adaptation au changement climatique, qui est une vraie problématique. Vous en parliez aussi pour la remontée des ravageurs, etc. Donc, ça, c'est de la technique. Enfin, l'agriculture est liée à son environnement qui est en perpétuel changement. Donc, ça, oui, il y en a tout le temps. C'est le centre des réunions. D'accord. Une autre question, Laetitia, si vous en avez. Oui, une autre question. Il y a pas mal de questions qui arrivent. Comment gérer le manque de motivation des agriculteurs qui semblent penser être arrivés au bout de leur réflexion, finalement ? Ouais, est-ce qu'il y a un effet de « ça y est, je suis arrivé au terme, je ne viens plus aux réunions » ou pas ? Enfin, moi, je ressens pas ça comme ça. Mais après, si ça devait m'arriver, je pense que là, pour le coup,
c'est peut-être l'accompagnement individuel qui doit prendre le relais pour vraiment soutenir, poursuivre, pour redonner une place et redonner les objectifs, en fait. Moi, c'est peut-être ça que je ferais. Voilà, c'est... D'accord. Oui, c'est par une très grosse écoute qu'on arrive à comprendre quels sont les nouveaux leviers à mettre en place ou quoi que ce soit. Après, pour avoir toujours du monde dans les journées, moi j'ai multiplié les formats de journée. Il y a eu des ateliers de co-construction, il y a eu des visites, il y a eu des experts qui sont venus. Enfin voilà. Donc c'est pas non plus de la routine. Enfin voilà, moi j'aime bien la diversité. Donc il faut varier. Voilà. Autre question. Une question sur le lien avec les groupes 30 000. Les groupes 30 000 sont le prolongement des groupes des filles, mais en définitive, il y a peu de contacts et d'échanges, et encore assez peu de groupes 30 000. Pourquoi ? Que faudrait-il faire pour augmenter ce nombre de groupes 30 000 et en quelque sorte mieux valoriser les groupes des filles ? Alors ben moi, je vais aller dans le sens inverse de cette question, puisque ce n'est vraiment pas le cas chez moi. En fait, j'ai été le premier groupe des filles là, de la chambre de Corrèze. Et le fonctionnement des filles, en fait, et ce qu'on fait avec des filles, moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc derrière, en fait, on a eu un groupe 30 000 fraises framboises. Ce qui, initialement, mon groupe, il était en fraises framboises. Donc on a eu aussi donc, un autre réseau des filles qui s'est rajouté, des filles fraises. On a des réseaux des filles, on a des groupes 30 000. Donc je ne suis pas la bonne personne pour répondre parce que chez moi, justement, ça a fait effet boule de neige. On a vraiment mis en place des groupes. On avait déjà des groupes. On a simplement formalisé ces groupes-là avec des thématiques précises. Donc, voilà. À part l'horticulture pépinière, on est une toute petite filière. On se connaît tous. Donc, voilà, aller chez les uns, enfin, visiter les entreprises des uns et des autres ou échanger lors de réunions nationales. Voilà. Je ne sais pas formaliser forcément plus que ça, mais les échanges, ils existent, quoi. Et en Normandie. Et en Normandie, du coup, bah, le groupe des filles a permis aussi justement, là aussi, de créer des groupes 30 000. Donc, j'animais un groupe 30 000 qui s'est terminé là récemment. Et globalement, non, ça permet. Les groupes des filles ont bien aidé au développement des groupes 30 000 aussi. Et comment en faire plus là, il faudrait réussir à toucher des nouveaux agriculteurs qu'on n'a pas encore réussi à toucher. Donc, je suis preneuse de méthodes. De méthodes là-dessus. Une question. Alors peut-être une dernière question, Jean-Paul. Dans quelle mesure les pratiques vertueuses mises en place dans le réseau des filles fermes diffusent-elles dans vos mondes agricoles ? Ouais, l'exportation. Ouais, bah moi je suis mi-temps ingénieur réseau et mi-temps conseillère en horticulture. Donc du coup, je fais les deux et je repointais là puisque le groupe arrive à son terme. Dans l'ensemble de mon groupe horticulteur. Quasiment tout le monde a au moins commencé à mettre en place quelque chose. Donc la diffusion, elle se fait par moi. Voilà, à chacune de mes visites, au bulletin technique que je peux envoyer. Donc voilà, la diffusion, elle est en cours. D'accord. Pareil. Oui, pareil. Même question. Régulièrement, on publie des résultats des groupes où on fait des journées portes ouvertes. Par exemple, là, il y en a une organisée le 17 juin en Normandie. C'est dit, 17 juin en Normandie. Où ? À Briouze, enfin à Saint-Hilaire-de-Briouze plus précisément. Et on a aussi du coup différents outils à disposition pour communiquer sur tous ces résultats, 30 000 et défis d'ailleurs. Donc, et j'ai eu 2 E. Donc il y a EcoPhytopic par exemple qui est sur Internet. Et il y a différentes fiches techniques. Enfin, il y a toutes des bases de données qui sont disponibles sur Internet pour trouver ça. Karine ? Alors je rejoins ce qui a été dit. Alors peut-être. Ça fait plus de 10 ans en fait que j'accompagne. Ce qu'on appelle un UCAR fruits rouges là, pour les candidats à l'installation. Donc on leur faisait toujours visiter des exploitations pour qu'ils se rendent compte de ce qui était déjà fait. Donc moi, j'ai orienté les visites sur les exploitations du réseau des filles. Et derrière, en fait, on a mis en place... Alors je me suis vraiment inspirée des ateliers de co-conception où j'ai redivisé le groupe de candidats à l'installation en petits groupes où chacun étudie un système de culture visité. Point fort, point faible, point amélioré. Donc ça plaît pas, mais en gros, qu'est-ce qui a amélioré ? Qu'est-ce que vous proposeriez si vous étiez conseiller ou qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à la place de l'agriculteur, tout en respectant cet objectif-là ? Donc moi, c'est en ce sens-là que j'arrive à faire comprendre certaines méthodes, certains leviers, et que j'arrive vraiment à faire échanger sur des techniques qui peuvent être utilisées. Donc j'apporte quand même en complément des supports, parce que ils savent pas tout. Et j'échange avec les groupes, mais voilà, je fais vraiment travailler, je fais transférer les pratiques comme ça. Quoi. Les pratiques. Isabelle Cadillou, Cécile Gomettou, Karine Barrière, merci beaucoup d'être venue ici, partager justement ces exemples et ce savoir-faire qui vous intéresse, j'en suis persuadé.